Karim, t'as un frère, toi, non? J'ai eu la passe, j'ai eu la passe! Écoute-moi bien, on sait qu'il veut rentrer. Il est où? Mais tu veux quoi, putain? Je sais pas où il est, mon frère. Ne cherche pas. On va revenir te voir. Vous voulez quoi? Je sais pas. On m'a embrouillé pour rien. Maman, t'es rentrée plus tôt? Oui, je me suis sentie mal au travail. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Allez, retourne te coucher. J'arriverai pas à la regarder en face. Faut que t'ailles la voir au moins une fois. Je peux pas sortir, Karim. Personne ne doit savoir que je suis là. Personne, t'as compris? Karim, il est où ton frère? Je sais pas, maman. T'es sûre? Je te jure, j'en sais rien. Température sous abri. Et donc, il fait généralement entre moins 10 et moins 20 sur les deux tiers de la France. Tu rentres bien à 7h demain matin. Lorsque vous avez un peu de peau qui dépasse et qui se fait finalement souffler par le vent avec la température très basse, et bien sur la peau, le ressenti est de l'ordre de moins 15 à moins 20 sur l'est de la France. Et regardez justement cette image. Hier soir, du côté de... C'est bon, t'auras besoin de rien. Non, non, ça va. C'est un froid sec sur le... À demain matin alors, hein. Température sous abri. Bonne soirée. Moins 4 degrés. Température ressentie. On va voir ce que t'as à l'œil. Pour ce qui est des températures, on est toujours dans ce plus de secteur nord à nord-est. Il y a toujours la dépression de la Méditerranée. Et là-bas, ça apporte donc des nuages ainsi que des précipitations sous forme de...
Je dors ici quelques heures et j'y retourne. Tu me réveilleras ? Ouais. Ils attendent que Karim parte au collège. Mais c'est qui ces gens? C'est des gars de la mosquée de l'Imam Abou. Ils recrutent pour lui. J'ai pas le choix. Je dois y aller, sinon vous ne laisserez jamais tranquille. Putain, maman, tu peux pas nous faire ça! On va partir tous les trois! On ira loin, ils pourront pas nous retrouver. On va partir. Mais ça veut dire quoi, ça? Maman va lâcher son taf? Et toi, tu vas quitter l'école, c'est ça? Et tu veux finir comme moi? Vous voulez tous les deux finir comme moi? Arrête, Karim. Faut pas cacher tout ça pour moi. Hein. C'était dans le nord de la Syrie. On nous disait qu'il fallait aller défendre les villages de nos frères. C'est pas ça qu'on a fait, Karim. On défendait personne là-bas. Ils envoyaient des gamins plus jeunes que toi se faire péter. Karim. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, viens. T'inquiète pas. Pas d'abaisse ça. Bientôt on se retrouvera tous les trois ensemble.